Salut, je m'appelle Alexandre Gillard et j'ai deux passions dans la vie, le basketball et les voyages. Du coup, j'ai une idée de génie. J'ai décidé de parcourir le monde avec mon ballon sous le bras. Car j'ai remarqué que peu importe où on se trouve, il y a toujours moyen de jouer au basket quelque part. Hola a todos! Ouais, je parle un peu espagnol. Et en même temps, j'ai pas vraiment le choix parce que cette fois-ci, je suis en Amérique du Sud, au Chili. Le Chili est un pays immense. Malheureusement, j'y reste quelques jours. Du coup, j'ai décidé de balader sur Santiago et ses alentours. À 2 heures au nord de Santiago, vous avez la ville de Valparaíso, qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Avec toutes ses couleurs et ses nombreuses peintures murales, on a l'impression de se balader dans un musée à ciel ouvert. À 3 heures au sud de Santiago, vous avez la ville de Pichilemu, connue pour ses immenses plages de sable gris et ses grosses vagues qui font le bonheur des surfeurs. Mais moi, mon truc, c'est plutôt le basket. À 2h30 au sud-est de Santiago, il y a la ville de Santa Cruz, qui est située dans la région que l'on appelle Vallée Centrale. La vallée centrale est une région essentiellement agricole. Et c'est là notamment où sont produits parmi les meilleurs vins du Chili. J'ai peut-être un peu trop picolé pour jouer. Clairement le basket, c'est pas le sport numéro 1 en Chili. Ah, ici leur truc c'est plutôt le football quoi. En cherchant bien, on finit toujours par trouver. Ben voilà, c'est la fin de mon séjour au Chili. Malheureusement, cette fois-ci, faute de temps, j'ai pas pu visiter le pays correctement. Néanmoins, pour le peu que j'en ai vu, j'ai trouvé ça super sympa.